Merci. Danse, va tanguer sur le parquet ciré. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais-les tourner. Et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, celles qui le temps d'un temps comme cela, frémissant et parfumé. Toi tu sais où les trouver. On fait un peu le tour de France aujourd'hui. Hein. On va accueillir des Belges tout à l'heure, toi qui connais si bien ce pays. On était à Toulouse, là on est à Perpignan. C'est un peu le tour de France, lui il est de Perpignan. Exactement. Alors il s'en est passé des choses en 20 ans. Mais comme je dis toujours, paradoxalement, j'ai fait plus de musique quand j'ai arrêté de chanter que quand je chantais, parce qu'effectivement, bon, on faisait beaucoup de promotions, on avait beaucoup de galas, beaucoup de promos, oui, tout ça. Voilà. Et puis ensuite, très égoïstement, je suis revenu à ce que je préférais véritablement, c'est-à-dire être chez moi avec mes synthés. J'allais lui poser la question, parce que c'est vrai que tu sors d'un succès énorme, une superbe chanson, un super texte, une super musique. Le texte de Jean Schultes. Oui, on l'a dit tout à l'heure, le texte parce est qu'on avait rasoir. On avait le même producteur qui était Claude Puterflam. Et Claude m'avait dit Jean n'écrira jamais un texte pour toi et on avait cette chanson qui traînait depuis 2 ans à peu près et puis de Guerlas on a quand même proposé à Jean
qui a écrit le texte en quasiment deux heures. Il y en a eu beaucoup des divas du dancing qui ont dansé sur cette chanson à travers tous les dancings de France. Le texte, il était vachement bien. Ouais. Elle qui le tend d'un tango sedane, frémissante et parfumée. Toi, tu sais où les trouver. Ouais. Il savait écrire. Hein, genre. Dans les Macumba. Les Macumba. Voilà, on les trouvait. Macumba. Il a fait beaucoup de choses depuis parce que on m'a rappelé que tu as écrit des musiques de ballet pour l'Opéra de Paris. Mais j'ai écrit des musiques de ballet qui ont été données à l'Opéra de Paris il y a un certain temps. J'ai beaucoup travaillé aussi avec Béatrice Schoenberg à l'époque où elle était sur d'autres médias. Et j'étais son styliste musical. Voilà, je faisais l'habillage musical de tous les magazines qu'elle faisait. Oui, elle a commencé par faire du magazine, mais actrice, voilà. Absolument. Tout à fait. Tu as fait les habillages musicaux, tout ça ? Voilà, j'ai travaillé pour France Inter, j'ai fait des émissions de sport aussi. Voilà, donc voilà. On était très contents de te revoir. Eh bien, merci. On t'a pas vu à la télé depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ah, là, je dois dire qu'effectivement, c'est ma première. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Philippe Catel. Absolument. On est honoré. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci infiniment. Bonne tournée.